inabox.com. T'as dit de partir voir ton frère. Mais il faut partir le voir. Tu sais que dans ces deux jours-là, je n'ai pas d'argent. Monsieur Diané, tu n'as même pas honte de dire ça. Toi, à chaque fois, je te demande de la dépasse. Si tu ne dis pas, va chez ton frère, tu dis va chez ta soeur. Ça, c'est bon. Ça, c'est toi, tu n'as même pas honte de dire ça. Je t'ai épousé, c'est pas parce que je dois prendre tout ton frère. Quand je prends d'une part, ta famille aussi doit prendre quelque part. C'est ma soeur qui est là. C'est mon frère qui m'a marié. Ou bien c'est ma soeur qui m'a marié. Ah, c'est ton oncle qui t'a marié. C'est pas mon frère qui m'a marié ni ma soeur. Ah ouais, c'est ton oncle qui t'a marié. Moi, je t'ai dit de me donner la dépense. Et puis, ne crie pas chez moi ce matin. Et si je crie? Je vous le jure, je te ferai. Tu ne peux rien contre moi. Ah ouais, ça c'est. Tu ne peux rien contre moi. Ok. Ça, c'est ta vanne. Tu ne peux rien contre moi. Donne-moi de l'argent, je vais partir au marché. Tu ne quittes pas ici aujourd'hui, ça me donne de l'argent. Tu ne quittes pas ici aujourd'hui. Quelle est-ce à toi que je parle? D'une valeur de 5 millions. Quelle est-ce que je te parle? Ah, là c'est. Là, tu m'as dépassé maintenant. Tu ne vas pas quitter ici. Là, ça m'a dépassé. Il a dit ça devant toi. Comment est-ce que ce phénomène-là peut me dire que moi je ne me passe pas? C'est toi qui es filmé. Ça va encore. Non, mes frères, tu ne sors pas ici. Je ne vais rien contre vous.
pas sorti une jour. C'est toi qui es tué. Attendez. Non, mais c'est pas comme ça. Je n'en passe. Tu es venu pour prendre mon pied, ma jambe va tomber dans les terres. On est d'accord? Non, d'accord. On est d'accord? Non, tout est bon, tout est bon. Elle est capable de supporter sa famille. Non, ça va comme ça. Je dis ça va comme ça. Apporte-moi la même chose. Je ne comprends rien. Et tu ne vas pas comprendre jusqu'à ta mort. Tu ne vas pas comprendre ça jusqu'à ta mort. Hein? Ça, je te dis. Grand frère. Parlez, je t'écoute. Mais grand frère, qu'est-ce qui s'est passé encore ce matin? Il faut la demander. Parce que le matin, moi, je n'ai rien fait. Là où je suis comme ça, je n'ai même pas déjeuné d'abord. Je suis sorti avec dans mon journal, je me suis assis ici, j'entends de fouiller mon journal. C'est la vie d'une femme là vient me provoquer ici. Et Diana, moi je veux partir au marché. C'est là-bas que je l'ai dit. Comme tu sais que ton frère me doit 150 000 francs, il faut aller le voir. Il n'a qu'à te donner mon argent. Tu enlèves la dépense dedans. Ah, grand, non. Là, si c'est ça. Vraiment bon, je ne sais pas que du cas, mais vraiment elle a raison. Il n'a pas raison, comme elle a raison. Elle a raison parce que même son père me doit. Non, s'il y a un problème, c'est entre son père me doit. Et son frère. Mais c'est pas entre vous et elle. Hein? Et s'il le faut là aussi, quand non, je, non, quand non, non, je non, le réclame là, il m'insulte. Non, grand frère. Je vous l'assure, même son père, si je le laisse dans cette fois-ci, dis-moi. Hein? Non, grand frère, n'allez pas très loin, vous aussi. Son père, c'est pas trop bon. Qui? Son père. Pourquoi? Dis que c'est ton père. Tu vois? Qui? C'est ton père. C'est ton père qui ne vaut rien. C'est ton père qui ne vaut rien. C'est ton père qui ne vaut rien. Ton père fait bien quoi qui ton père ça. Ça va comme ça. Ton père fait des crédits. Je dis ça va comme ça. Fais bien comme toi. Ton frère me doit ça. Ça va. Ça va. C'est bon. C'est bon. C'est aujourd'hui que tu vas me dire ça. Le jour là, ton père viendra. Il passe derrière moi. Mais grand frère, je vais laisser ça pas. Avec son bouche dégonflé là. On dirait comme les jeunes sont, les enfants sont soufflés, le bâtard est gonflé, les descendants. C'est ton père qui dit ça. C'est pas mon père. Grand frère. Oui. Si je comprends très bien, c'est le problème de dépense. Ou bien c'est pas ça. C'est ça. Hein? C'est ça, demande celle-là. Mais ça. Écoutez, si vous n'avez rien le matin, c'est pas comme ça de réagir. Ah si vous n'avez rien, vous m'appelez à mon petit frère, je n'ai rien ce matin, hein? Est-ce que tu peux me garantir? Au lieu de crier comme ça là. Hey, ma belle! Ma belle soeur! Oui! Viens ici. Bon, ce que je m'en vais te dire, je comprends tout ce qui se passe ici maintenant. Tu comprends? Oui. S'il y a un problème, si tu me demandes, si tu trouves que c'est impossible, va me la dire, tu comprends? D'accord. Je m'explique le problème. Hein? D'accord. Tu as ici. Ah. C'est pourquoi je fous de moi. Écoute-moi. Merci. Écoute-moi. C'est pourquoi je fous de moi. Non, pas parce que lorsque tu viens, c'est pourquoi tu as pris mon pied et m'as fait tomber dans les terres. Et tu viens, tu comptes 100 000 francs en tant que grand père de famille comme moi, tu remets ça à ma femme. Non, grand père, c'est mais pas Dieu ça. Va te payer. Tenez la 10 000 francs. Qui, moi tu je voulais. Je, non, prends ton argent. Un jour viendra, moi aussi, je verrai un emploi. Inch'Allah. Vraiment, grand frère, mais je ne comprends rien maintenant. L'emploi n'a pas dessiné pour quelqu'un, pour tous. Hey, ma belle. Oui. Viens, ma belle. Donne-moi l'argent là. Selon mon visage. Grand frère, me tenez la santé. Voilà, toi tu peux partir. C'est moi qui ai la peine. Je veux pas le. C'est moi qui ai la peine. D'accord. Ça va pour moi. D'accord. Demande et puis tu te donnes. Ok. D'accord. Merci. Le soir, je passe à l'échelle.